Qui a déjà vu à Center Park? Normalement, ils envoient des dingues. Et je crois que je l'ai vu en face. On va zoomer. Ça se confond avec la végétation. Au milieu, il est juste là. Ah, il y en a un autre aussi. Je sais pas si vous avez déjà vu Center Park, mais donc il y a plein de maisons. Et donc il y a plein de maisons en bois. Et on peut pas trop bouger en voiture ici. Donc il faut se déplacer à pied pour aller jusqu'à l'endroit avec toutes les activités. Et il fait un peu froid. Mais c'est agréable. Parce qu'il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas grand monde qui fait du bruit et tout. Mais en tout cas, c'est un peu long pour y aller et tout. Il faut y aller peut-être en vélo, à pied ou en voiturette. Bon, ça, on n'est pas trop. D'accord. Donc là, c'est immense et tout vu de loin. C'est dans ce grand espace. Il y a plein de vélos et tout. Ah oui, c'est des pélicans en fait. Pélicans blancs. Ils sont roses. Mais c'est quoi ce truc? Non, c'est un instrument de musique. Donc en fait, c'est un peu un labyrinthe ici, il y a plein de couloirs et après des rivières, alors il y a la rivière Sauvage, après il y a la rivière Douce, on peut bouger et tout, on a testé tout à l'heure avec Marc et tout, c'est bien. Et voilà, c'est un peu rapide à la rivière Sauvage. Il y a aussi un endroit avec plein de cabanes dans les arbres, des grandes cabanes, des grandes maisons. C'est très relaxant en tout cas, tout ce séjour. Là, c'est la fin de la journée, tout le monde part. Il y a plein d'illuminations. Et c'est la nuit. C'est la fin de la journée en tout cas, c'est bien fatigant, il y a beaucoup de choses. Alors je sais pas si vous avez eu le temps de voir ce qu'ils mangent, mais du coup c'est du poisson, voilà. Exclusivement du poisson. Et donc ça va être environ 1 kg, 1,5 kg de poisson par jour. Donc là, c'est le grand départ. Le grand départ de la forêt. Avec toutes les maisons.
les cottages. Adios. Il nous a vu, faut pas faire trop peur.